On l'attendait avec beaucoup d'impatience. Après New York, la Fashion Week de Londres signa le grand retour des défilés physiques. Et malgré l'absence remarquée de Victoria Beckham et Burberry, qui est pourtant une maison britannique emblématique, la Fashion Week de Londres a une fois de plus réussi à nous surprendre. Elle nous a aussi permis de découvrir des jeunes créateurs talentueux et prometteurs. Cette fois, on revient pour vous sur trois looks très inspirants vus lors des différents défilés et qui donneront à coup sûr le la de l'été à venir. On vous en parlait déjà avec les tendances repérées lors de la Fashion Week de New York. Mais cette fois c'est sûr, l'imprimé 70 sera encore une fois partout l'été prochain. Chez Paul et Joe, on retrouve le motif fleuri en total look. Ici, sur un costume à fleurs. Aux couleurs légèrement délavées. Apportées comme le fait la mannequin, à même la peau. En laissant subtilement apparaître une brassière en dentelle. Si la Fashion Week de Londres présentait les collections printemps-été 2022 des différents designers, la marque Co, quant à elle, a pris la décision de présenter sa collection hiver 2021. Connue pour ses vêtements confortables et très bien coupés, mais aussi ses parfaits basiques. Co signe une fois de plus une collection qui a su retenir notre attention par ses détails bien pensés et ses coupes oversize. On craque pour ce total look beige légèrement androgyne qui nous donne tout simplement une bonne raison de souhaiter voir débarquer l'hiver. C'est le look le plus vu de la semaine de la mode à Londres. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est AgWalk. En effet, le moteur de recherche spécialisé dans la mode a dressé un état des lieux des shows les plus regardés. Des mannequins qui ont le plus défilé et du look le plus vu lors de la Fashion Week de Londres. Et il s'agirait de ce look issu de la marque du sud de la capitale anglaise, Charlotte Knowle. Alias KNWLS. Un total look brun, qui joue avec les différences de matière et dont l'inspiration est une femme guerrière. Une combattante mais un peu bohème. En effet, on retrouve le cuir, les lignes fortes et les coutures épaisses, les grosses fermetures. Mais aussi la transparence, le pantalon évasé en voile façon collant et l'imposant bracelet de perles. On reconnaît bien là une guerrière des temps modernes, romantique, mais qui n'a pas froid aux yeux.